Recevoir un coup de Dave en pleine face ou sur la tête, ça fait quoi? C'est plate. Quand la cloche sonne, tu oublies tout. Tu penses plus c'est quoi, what's in front of you. That's what you're looking at. I mean, so I would block it out, stay numb in physique, whatever he had, I blocked it out and I put, you know, focus on what I had to do. Puis avec la voix de mon père dans le coin, c'est quelque chose en absurde. Puis en tout temps, you know, you listen for his voice. We always listen for his voice. You know, that's what helped me through a lot of my fights. Pour le titre canadien, je vais dire au grâce de mon père. Sometimes, you know, je fais des erreurs dans le ring, puis mon père va venir, et je retourne le coin, puis I lose the round. Hey, what's the matter with you? This guy's nothing. What are you doing in there? You're going to lose the fight? That's the way he was, you know? And give me a slap there. Dans le combo, count, I'm jumping ahead, count Dino Clavette. Le deuxième combat. Puis c'était le match, un des meilleurs matchs des 10 dernières années au Canada, dans la boxe professionnelle. On s'est battu coup pour coup jusqu'au dernier round. Deuxième round. I'm behind. I'm losing the fight. Et au dernier round d'un combat que je menais, que les juges me donnaient le combat, enfin deux juges sur trois. Puis mon père, pour le dernier round, came in. Hey, you give me a slap there. Il dit, toi là, je ne peux pas dire dans la télévision exactement les mots qu'il me prend là. Mais il dit, hey, t'es box counting guy, he's a girl. You're letting a girl beat you. That's what he told me. I swear to God. You're making a girl. And fee, get on train the Dunny and Valley, Bagani, the combo. And he gave me a slap on my leg, I think, on my shoulder. Now wake up, like this. And I wake up, and then, deux minutes dans le combat. Il a craché son protecteur buccal, mais il l'avait perdu six fois durant le combat. Au 12e round, dès qu'il l'a craché entre mes deux pieds, je sais pas ce qu'il m'a pris. J'étais distrait par ça. J'ai juste voulu le tasser comme ça avec mon pied. Thank you. Bang. Bang. Goodbye. That was it. Ça finit à 2 minutes 56 du 12e round. Il restait 4 secondes. J'ai acheté fâché dans le coin. I was so mad at my father in the corner that the guy in the front, I wasn't going to hit my father, so I said, I'm going to go hit this guy. Les frères Elton ont connu une ascension fulgurante. Ils se sont entraînés dans les Catskills, un célèbre camp de l'État de New York considéré par plusieurs comme la Mecque de la boxe. Là-bas, ils ont rencontré une figure légendaire du monde du sport, l'entraîneur Costa Matto, l'homme qui a formé Mike Tyson. En 1985, cette course les a amenés jusqu'à Las Vegas, où ils ont signé un contrat avec le plus grand promoteur de boxe au monde, l'incroyable et controversé Don King. When you say the name Hilton, you have said it all. When you look at it now, because it's an equal opportunity here. You know what I mean? They are white, but they're black. Lorsque le Québec a appris que les Hilton avaient signé avec Don King, ça devait être une très grosse nouvelle. Oui, c'était une très grosse nouvelle. Je pense que les gens ont vu ça comme, bon, ils sont arrivés vraiment au niveau international le plus élevé. Ce que je pense pas qu'ils l'aient vu comme une mauvaise nouvelle. Je pense que les journalistes qui couvraient la boxe ont dit, oh boy, ils viennent de se mettre le bras dans l'engrenage jusque-là. The thing is, watch us perform. Let all the critics that are there, the doomsayers, the naysayers, those who said it can't be done, watch us do it. Don King, il a fourré tout le monde. Écoute bien, pour te donner une idée, là, qu'est-ce que c'est Don King, là? Sa femme, là, il
Il a tué son mari. Tu sais comment il l'a marié? C'était un Shylock au début. Il a apprécié 100 piastres au gars. Il a tué le gars, coup de poing. Il était en dedans, il était en prison. Puis elle, par contre, n'est pas trop mieux. Elle marie le gars qui tue son mari. C'était ça. Ça part de même. When I met Don, when the boys were all young, and he asked me if, when they turned pro, if I'd bring them to him, and I did. And none of my boys are disappointed. We have a little problem with Davey, but Davey's going to come around. L'association des Hilton avec Don King fait rêver. Malheureusement, le mariage ne fera pas les enfants forts. Seul Matthew va en profiter réellement, obtenant un combat pour le titre de champion du monde en juin 87 au Forum de Montréal. Grand amateur de boxe, Serge Chapleau a assisté au célèbre combat. Quand Matthew a gagné le championnat du monde, c'était impressionnant. C'était impressionnant parce que là, il rentrait dans les ligues majeures. Le cœur te palpite parce que tu vois un petit bit d'ici, même bon, qui vient de rentrer là, aux États. Là, il s'en va se battre contre les vrais, contre les grands. Le premier round, il vient droit sur moi. J'ai pogné avec un droit. Boum, il est à terre. Le maudit se lève. La foule, il était. Il y avait 9000 personnes. Si tu étais là, c'est comme il y avait 29000 personnes. Il criait, puis vraiment de le cœur. Rounds après, j'ai donné tout donné et il ne veut pas tomber. 15 rounds après. Quand il dit le nouveau champion du monde, c'était comme un rêve. Fin compte, j'ai eu qu'est-ce que je voulais dans la vie. Le gagnant par décision unanime est nouveau champion mondial. Et ton père, comment il a réagi? Ah, lui aussi. Toute ma famille. Est-ce que tu es parti sur le party ce soir-là? Oui, je pense que j'ai jamais arrêté le party depuis 87. Je pense que j'ai encore sur le party.